Allez, grâce à cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne un régulateur et limiteur de vitesse sur un BMW X1 de 2020. Il vous suffit pour ça d'avoir à appuyer sur le bouton ici pour le régulateur de vitesse. En l'occurrence, là, je suis à l'arrêt, à moins de 50 km/h, donc il me met qu'il est inactivable. Mais si je suis à plus de 50 km/h, le fait d'appuyer sur ce bouton permet donc de lancer le régulateur et de stabiliser la vitesse à laquelle vous vous trouvez. Dès que vous mettez un pied sur le frein, ça arrête donc la fonction régulateur de vitesse. Mais vous pouvez aussi mettre une pause en appuyant sur le bouton qui est ici et remettre en route le régulateur en appuyant à nouveau sur ce bouton. Le bouton qui est au milieu n'est que le bouton qui permettra de gérer la vitesse, c'est-à-dire que vous êtes avec le régulateur de vitesse enclenché, vous augmentez votre vitesse grâce au bouton plutôt que d'accélérer et de remettre votre régulateur de vitesse. De la même manière, lorsque vous êtes en limiteur de vitesse, vous appuyez sur le bouton lim, le bouton donc s'affiche ici et ici. Et dès que j'utilise donc cette molette, je vais donc changer la vitesse de limitation. Donc mon véhicule roulera normalement, passera les vitesses, mais sera limité à la vitesse que vous aurez programmée. Alors là, je monte de 10 en 10 en appuyant simplement une fois sur le bouton jusqu'en haut. Si j'appuie petit à petit, eh bien je monte de 1 en 1. De la même manière, le limiteur de vitesse peut être mis en pause avec le bouton qui est ici. Dès que je l'ai mis en pause, ou je peux donc en appuyant dessus le remettre en action. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.